Alex. Ah oui, pardon. Alexandre, c'est ça? Oui. Elle est amoureuse de vous? J'ai rencontré une fille. Tu vois, quand tu regardes la mer et que tu réalises soudain que la vie n'est qu'un battement de cœur entre deux sanglots... Non! Je viens pas souvent ici! Avez-vous de la famille, Alice? Une sœur. Jumelle. Agence au moins fournier, service secret extérieur. Je veux que vous récupériez toutes les informations possibles sur un certain Alexandre Rudinsky. Voici son dossier. Il est vide. Il est très fort, on n'a rien sur lui. Elle a des amis? Vous voulez dire des vrais amis? Franck veut un enfant. Oh merde! Ouais! Mais non, mais je me dis que ça pourrait être chouette quand même. Mais ça, c'est juste parce qu'en ce moment, tu t'emmerdes. 18 coups de couteau, 3 balles de calibre 22 tirent à bout portant. La dernière a été fatale. Vous pensez à quoi? A priori, je dirais qu'il s'agit d'un suicide. Non. Non. Ah. Vous êtes romantique? Je crois que je suis plus romanesque. Je veux que tu me dises que je suis belle toutes les 2 minutes et 22 secondes. Ou que tu me fasses un gâteau au chocolat. Ou que tu jettes ta montre. Ou que tu me fasses l'amour en italien. Tous, les cathos, les juifs, les musulmans, les protestants, tous. Je peux pas blairer les religieux. Fournier! Parfois le métier nous oblige à côtoyer les pires espèces de l'univers. Les meurtriers, les terroristes, les psychopathes, les proxénètes. Non mais ça va. Moi c'est les religieux qui m'emmerdent. Et votre sœur, Sandra, c'est ça? Elle est amoureuse? Ils sont pas tous cons quand même! Ah non mais si, ils sont tous très cons! Les mecs, ils ont pas besoin d'élan, ils sont cons direct! Qu'est-ce que vous regrettez le plus de l'enfance, Alice? Les histoires, je crois. Qu'est-ce que vous racontiez comme histoire? Je sais plus, un tas de trucs. J'étais une sirène, une princesse, une indienne, je devais sauver le monde. C'est ce que vous voulez? Être une sirène? Sauver le monde. Je crois que je préférerais être une sirène. Vous pensez que c'est possible? Bah, si mon père était un poisson.